Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre alors des messages pour ce lundi 16 août. Voilà, je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter, on va les découvrir ensemble. Comme toujours, c'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier pour tous vos jolis commentaires, pour votre présence. Merci pour tout ce que vous m'envoyez tous les jours. Voilà. Donc voilà. Alors, on va commencer. On va prendre le message pour ce lundi 16. Les messages. Alors, attendez, je cherche en même temps ce que je peux. Voilà, on va prendre le petit chevalet. Et je vais prendre un petit message avec le tarot. Le tarot des anges. Et on va voir un petit peu le petit message que je peux vous transmettre avec le tarot des anges pour ce lundi 16. Ça saute. Alors, c'est le 10 de l'action pour ce lundi. Alors, le 10 de l'action. Alors, là, alors, on vous dit, il y a une personne, pour une personne, on vous dit que vous travaillez trop. Vous devez impérativement trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. On vous dit de demander de l'aide afin que tout ne repose pas sur vos épaules. Vous menez trop de choses de front et vous êtes soumis à un stress trop important. Donc là, il y a une personne qui est soumise à un stress trop important et vous travaillez beaucoup trop. Et vous devez impérativement trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. On vous dit qu'il est temps de vous décharger de certaines responsabilités et de prendre soin de vous. Peut-être en faites-vous trop pour plaire aux autres. On vous dit n'oubliez jamais qu'il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Libérez-vous d'une partie du fardeau émotionnel que vous portez et pardonnez aux autres et à vous-même. On vous dit de rester dans la foi que la lumière est au bout du tunnel. Vous pouvez aussi peut-être être en ce moment où... Depuis un certain temps, en fait, vous ne pouvez jamais dire non. Vous pouvez être toujours au travail et ne jamais avoir de loisirs. Et vous pouvez être fortement impacté par votre stress. Et ce stress, en fait, peut être déclencheur de maladies. Hein. Ça déclenche des maladies. Donc, absolument faire diminuer ce stress. Hein. Et pour moi, c'est un stress de longue durée, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Donc voilà. Là, faut vraiment vous ménager et prendre soin de vous. Voilà. Allez, un petit message d'amour et de lumière. Alors, un petit message pour ce lundi. On vous dit, suivez le chemin qui est le vôtre. Donc, en ce lundi, suivez le chemin qui est le vôtre. Et en dos de jeu, c'est le cadeau de l'amour et de la lumière. Alors, je vais vous transmettre ces deux messages. Suivez le chemin qui est le vôtre. Alors, nous avons tous à affronter un jour ou l'autre des situations et des tentations dont nous savons intuitivement qu'elles ne sont pas bonnes pour notre chemin de vie. Quand nous étions enfants, nous attendions de Dieu et de nos gardiens adultes qu'ils nous montrent le bon chemin. Il arrive que ce ne soit pas une voie, il arrive que ce ne soit pas une voie que d'autres aimeraient suivre, mais vous savez que c'est celle que Dieu a choisie pour vous. La prière peut nous aider à trouver la force nécessaire pour nous guider en douceur et nous garder sur notre voie divine. Ne jugez pas pour les prétendues erreurs que vous avez pu faire. Parlez-en, au contraire, avec Dieu. Reconnaissez vos pensées et sentiments à propos
du mauvais tournant que vous avez pris et Dieu vous allégera de son pardon. Les erreurs sont des occasions d'apprendre et de pardonner. Alors promettez maintenant de vous relever et de repartir du bon pied. Tirez la leçon de la situation et pensez dorénavant à consulter Dieu avant de prendre des décisions. Cela vous installera sur le chemin que vous savez être le meilleur pour vous, celui qui vous mène à Dieu. Voilà. Et le cadeau de l'amour et de la lumière. Alors, le cadeau de l'amour et de lumière. Je cherche, hein. Attendez. Le cadeau. Ah, c'est là. Bah alors, voilà. Les enfants respirent la lumière et l'amour divin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils apportent la joie autour d'eux. Adultes, vous êtes toujours remplis des dons divins de Dieu. Vous avez en fait de meilleurs atouts aujourd'hui pour partager l'amour et la lumière avec votre entourage. Peut-être vous sentez-vous guidé pour enseigner l'amour de Dieu, soit par écrit, soit oralement. Peut-être votre chemin de vie vous conduit-il à un canal guérisseur qui équilibre et rassure les autres. La carrière que Dieu vous a suggéré d'entreprendre vous mènera certainement à la satisfaction et à l'épanouissement. Ouvrez votre cœur à la lumière et à l'amour qui vous entoure. Pourquoi rester dans la peur et l'obscurité quand le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour vous réconforter et vous conseiller à la demande? Méditez sur Dieu et laissez sa lumière entrer dans votre vie afin qu'elle révèle votre voie véritable. Magnifique. Très, très beau. Voilà pour ce lundi. Bien. Super, super. Allez. Je range tout ça. Et après, on va commencer. Alors, on va prendre... Je vais prendre... Attendez. Je vais prendre ce magnifique oracle. Hop ! Et on va commencer avec celui-ci. On va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre pour ce lundi. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les petits messages à transmettre aux personnes qui vont regarder cette guidance pour ce lundi? Alors ici, pour une personne, je vois que peut-être que y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui est en route, en gestation pour une personne dans n'importe quel domaine. Depuis le printemps, je vois quelque chose qui est en cours de gestation depuis le printemps. Et durant ce printemps, en fait, vous avez dû faire des déplacements liés à tout ça. Et actuellement, en fait, c'est comme si c'était en gestation depuis ce printemps jusqu'à ce moment, jusqu'à ce lundi. Et je vois, en fait, pour moi, cette semaine, donc là, durant, ou ce lundi, ou cette semaine... Ouais, c'est, pour moi, c'est des démarches, en fait, que vous avez mis en place professionnellement. Et je vois que cette semaine, en fait, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter pour un poste. Alors, soit vous êtes déjà en CDD et c'est un poste qui va se transformer en CDI. Vous allez avoir la signature et c'est ça, en fait, qui est en cours depuis le printemps. En cours de gestation avec votre hiérarchie. Ou alors, c'est que... Durant cette semaine, je vois que vous êtes peut-être en recherche depuis printemps. Voilà, et vous avez terminé en fait activement, assidûment de faire vos recherches. Et je vois quelque chose qui est en cours.
de gestation actuellement, mais pour moi, cette semaine, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va bouger assez rapidement à vous. Et on va, pour moi, on va vous téléphoner en fait pour un poste, un CDI. Et vous allez vous devoir vous déplacer. Mais je vois un déplacement de votre part en fait en voiture. En voiture. On vous dit de rester dans l'espérance, dans la foi aussi, parce que oui, vous allez vous déplacer professionnellement, lié soit à un CDD qui va évoluer en CDI, je vois la signature, ou alors c'est pour commencer un CDI d'office avec une période d'essai. Et c'est en cours, hein, voilà, c'est en cours, je vois la personne en fait qui est en cours de vous rappeler en fait. Ouais. Vous allez recevoir pour moi un appel cette semaine lié à tout ça. Donc on vous dit de bien rester dans l'espérance. Pour moi, vous êtes resté aussi dans l'espérance depuis tout le printemps, hein, et puis une bonne partie de l'été. Mais là, il y a des choses qui bougent, hein. Eh oui, regardez, vous avez un grand, grand triomphe là. L'appel va être triomphant, ça va très bien se passer aussi. Vous allez peut-être avoir un petit peu une petite montée de stress, hein, d'adrénaline. Et ça ne va pas bloquer les choses, vous allez aller sur le triomphe. Ouais, vous avez un triomphe professionnel. Vous pouvez avoir une famille, être en couple, avoir des enfants. Et vous restez dans l'espérance, un liesse professionnel pour votre famille. Et je vois un déplacement. Vous allez aussi vous déplacer dans cette structure professionnelle, dans l'espérance, hein, la foi. Restez dans ces énergies, hein, positives, parce que vous avez un triomphe. Et je vois un déplacement aussi. Peut-être que vous allez faire ce déplacement pour la signature, cette signature professionnelle avec l'un de vos membres de votre famille ou votre famille entière, en fait. Pour moi, on va vous accompagner. Et je vois un déplacement juste après un coup de téléphone. Le déplacement peut être de la semaine, hein, cette semaine aussi, hein. Vous pouvez avoir un coup de téléphone et le déplacement se fait dans la foulée, hein. C'est pour une femme mature, 30 ans et plus. Ouais. Je vois des démarches administratives. Donc vous allez remplir. Vous allez signer le contrat lié à. Professionnel. Et vous êtes très protégé sur tout ça. Hein. Je vois un retour au plaisir. Après, peut-être que vous aviez une perte, hein, une perte peut-être d'envie, de plaisir. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu en déséquilibre professionnellement. Et je vois aussi une arrivée de beaucoup plus de plaisir. Hein. Un retour à l'équilibre et beaucoup plus de plaisir dans une famille. Voilà. Voilà pour ce lundi. Bien. Des belles choses qui arrivent à vous. Allez, prendre ce magnifique oracle et je vais vous transmettre un message avec celui-ci pour ce lundi. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les petits messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors là, je vois un bonheur qui arrive à une personne. Parce que je vois que vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message, en fait, pour moi, d'une personne qui a un amour envoûtant et passionnant pour vous. Cette personne vous voit comme magique. Et en fait, je vois quelque chose qui va vous arriver. On va vous envoyer quelque chose, en fait, de magique aussi. Et ça va. Vous allez être dans une énergie. Je vois une personne qui va être dans une énergie de bonheur. Ensuite, après, je vois des discussions, des échanges. Après, un message que vous allez recevoir. Ça peut être une lettre aussi.
C'est une déclaration d'amour pour moi qui va vous plonger dans le bonheur, dans la vie en rose, dans l'harmonie aussi. Et après, en fait, tout ça, après cette déclaration, il y a des événements à venir dans les 6 mois pour vous et cette personne. Je vois aussi une rentrée d'argent qui va arriver à vous. Ouais, cette rentrée d'argent, c'est pour une femme, hein. Et c'est une femme pour moi qui va recevoir cette déclaration d'amour. Je vois aussi pour cette femme, dans les 6 mois à venir, des événements aussi. Ça peut être des événements liés à votre professionnel, un projet, soit déjà existant, ou alors que vous allez amorcer un nouveau projet. Ça peut être dans la lithothérapie, dans l'écriture aussi. Pour moi, pour le projet de lithothérapie, en fait, va falloir compter environ 6 mois. Peut-être que vous êtes... ouais, il faut... il y a une période de 6 mois, en fait, pour ce projet. Environ. Il y a 6 mois. Mais je vois aussi un projet d'écriture qui va... où vous allez recevoir... Il y a des rentrées d'argent qui sont prévues pour vous. Je vois une quantité abondante d'argent lié à ce projet d'écriture. On va beaucoup vous suivre aussi. On va beaucoup vous suivre. Vous allez être très entouré. Ça peut être aussi un projet d'écriture lié à la lithothérapie. Mais il y a un projet d'écriture ouais, qui est très conséquent pour vous, hein. Et peut-être en fait que vous allez être un petit peu sur les deux en même temps, durant environ 6 mois. Et je vois durant ces 6 mois des rentrées d'argent. Alors ce ne sera pas d'un seul coup, ça sera vraiment sur les 6 mois. Et vous êtes relié, cette femme est reliée à son âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Et entre vous et cette personne, en fait, il y a un amour, hein. Il y a beaucoup de magie, un amour envoûtant et passionnant aussi. Ouais, après, je vois une reprise de discussion avec votre âme sœur. Et après, ça va déclencher entre vous et cette personne durant 6 mois, en fait, de très très beaux projets, hein, positifs. Financièrement, il y a un équilibre qui va se mettre en place, qui va être encore plus fructueux en fait. Et je vois la continuité soit de projets liés à la lithothérapie et les projets d'écriture, ou alors vous allez amorcer de nouveaux projets en fait, hein. Mais c'est comme si en fait vous aviez énormément en fait de Vous avez plein, plein, plein d'idées fleurissantes, hein, à l'intérieur de vous. On vous dit aussi de suivre votre instinct, hein, autant pour votre âme sœur que pour vous, hein. Suivez vos instincts, vos intuitions, tout ce que vous pouvez recevoir aussi comme message divin que vous recevez dans vos rêves aussi. Et on vous dit de suivre votre instinct et de vous relaxer. Relaxez-vous, détendez-vous, méditez, parce que tout est en place et ça arrive, hein. C'est plus très très long pour moi. Restez dans l'insouciance. Ouais, restez dans l'insouciance parce que vous allez vers une union, un couple, un pacte, un engagement. Voilà. Et c'est comme si cette femme, en fait, était chez elle, hein. Était chez elle et contemplait, en fait, la lune. Contemplait la lune, s'enrichissait aussi de la lune, des pouvoirs de la lune.
Et du soleil aussi. Aussi, vous continuez en fait de vous enrichir sur votre plan, sur votre spiritualité, sur le plan spirituel. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même en fait durant ce mois-ci, de suivre vos instincts. Et vous avez un grand soutien de vos guides. Hein. Vous avez un grand soutien de vos guides durant des choix. Dans toutes les décisions, dans beaucoup de décisions que vous allez devoir prendre en fait avec votre âme en fait, vous êtes appuyé, guidé, soutenu. Hein. Et oui, et vous exercez aussi, vous êtes dans la loi d'attraction, donc on vous dit de continuer la loi d'attraction. Voilà, voilà tout ce que je devais vous transmettre. Bien, c'est beau, hein? Magnifique, très beau. Allez, on va prendre les petits animaux de pouvoir pour ce lundi et on va découvrir qui se cache, quels sont les animaux qui vont nous faire un petit coucou pour ce lundi. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les petits messages pour ce lundi, s'il vous plaît. Alors, c'est le Béléro. Donc, durant ce lundi, on vous dit d'utiliser votre colère à bon escient et de façon constructive. Donc là, vous prenez votre colère, vous l'utilisez à bon escient, mais aussi de façon constructive. La fourmi. Attendez, parce que j'arrive pas à lire. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc soyez comme une petite fourmi durant ce lundi, avancez un pas après l'autre, faites preuve de patience et on vous dit que votre objectif vous attend au bout du chemin. Voilà, jusqu'à la ligne d'arrivée. Hein. Ensuite, il y a notre amie la baleine qui vient nous faire un petit coucou et elle vient vous déposer ce message pour ce lundi dans le silence. Je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle. Donc, dans le silence, exercez-vous. Peut-être que vous exercez déjà, mais exercez encore un petit peu plus hein, tous les jours. Exercez-vous à écouter les messages de l'intelligence universelle. Parce que tous les messages que vous allez recevoir tous les jours un petit peu plus, ils vont vous inspirer, ils vont vous guérir aussi. Et ils inspireront les autres, autrui. Et guériront aussi autrui. Le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre. Attendez. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Alors, le pouvoir du chien aussi, en ce lundi, je préserve mon intégrité. Et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc, en ce lundi, on vous dit de préserver votre intégrité et votre équilibre en restant fidèle à vos valeurs. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour tout ce que j'ai reçu. Donc, en ce lundi, reconnaissez toute l'abondance qui est autour de vous, qui vous inonde. Reconnaissez toute cette abondance dans votre vie et remerciez pour tout ce que vous recevez. Merci, merci, merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Et le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. Bien. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!